Et salut à tous chers amis, c'est Fred, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo review aujourd'hui qui va être un petit peu spéciale. Alors désolé pour la luminosité qui aujourd'hui ne va pas être au top pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui il fait gris, et étant donné que je me mets toujours dos à la lumière pour éviter un contre-jour, peut-être que la luminosité va pas être ultra forte, mais c'est pas grave, on va faire avec. Aujourd'hui je vais vous présenter un set Megablocks, parce qu'à l'époque ça s'appelait Megablocks et non Megaconstructs comme c'est le cas depuis un certain temps maintenant. Un set un petit peu particulier parce que déjà je le trouve bien sympathique, et surtout c'est le premier Megablocks Halo que j'ai eu, et par extension c'est aussi le premier goodies Halo que j'ai eu. C'est la toute première pièce de ma collection. Je n'avais rien avant ce set, aucune figurine, aucun poster, aucun goodies tel qu'il soit, absolument rien. Et c'est donc le set très ancien de la Mangouste de l'UNSC. Alors il y a eu plusieurs Mangoustes qui sont sortis, ça c'est la première Mangouste. Alors j'espère vraiment que vous allez quand même voir. Je suis vraiment désolé hein, pour la lumière, mais malheureusement je ne peux pas faire grand chose, mais c'est pas grave, j'espère que ça se passera tout de même bien pour vous. Donc c'est donc le modèle de Halo 3, celui qui est vert, hein. Enfin qui a toujours été vert, mais ils le sont un petit peu moins maintenant. Halo Infinite d'ailleurs revient un petit peu sur ce style là, sauf que maintenant les mangoustes n'ont plus de pare-brise. C'était le cas dans Halo 3 et je crois Halo Reach. Halo 4, à partir de Halo 4, je crois qu'on est parti sur un nouveau modèle qui est encore celui qu'on a plus ou moins dans Halo 5 et Halo Reach, je ne sais plus. Alors, une mangouste, toute simple, pas de suspension, hein. La petite barre à l'avant, le petit pare-brise, la petite barre à l'arrière pour le passager, mais là c'est pas assez large pour qu'il y ait un passager. Ah oui, si je bafouille un petit peu, c'est pas que je suis fatigué, j'ai une dent de sagesse qui est en train de me faire autant dérouiller que les microtransactions de Halo Infinite. Donc ne m'en veuillez pas, donc voilà, la petite mangouste, tranquille, qui est parfaite. Ensuite, le Spartan. Alors faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les figurines qu'on avait maintenant. On avait des rapaces, des brutes, des élites, des grognards, mais tous les mêmes modèles. Et on avait toujours des Spartans et des Marines, donc toujours un seul modèle, et c'était les modèles basés sur Halo Wars. À l'époque, la majorité des premiers sets étaient basés sur Halo Wars, même si on pouvait voir des choses un petit peu à la Halo 3. Donc un Spartan avec une armure Mark 4, Gen 1 du coup, un fusil sniper, voilà, qui a, alors je sais plus si c'est toujours le cas maintenant, je ne crois pas, voilà, qui a le petit truc, voilà, le petit pic pour le mettre dans le dos. Voilà, donc ces Spartans là, voilà, ceux qui ont des anciens sets méga blocks ne les connaissent que trop, et il en va de même pour les élites. Évidemment, on a un véhicule humain, on a un personnage humain, on a également un petit peu de Covenant, et en fait c'est ça que j'ai bien aimé. C'est pour ça que c'est le premier set que je me suis pris, c'est que c'est un set qui est un peu 50-50. On a du Covenant et de l'UNSC. Alors on va commencer avec l'élite. Élite d'Halo Wars, premier du nom. Désolé pour le focus, la luminosité n'aide absolument pas. Donc voilà, Elite qui était somme toute assez simpliste, mais qui était bien sympathique. Bon, les yeux rouges, les mandibules qui sont peintes, en fait toute la tête est peinte en bleu. Je suis vraiment désolé pour ce problème de luminosité, c'est un petit peu dommage, surtout que c'est mon premier set, mais c'est pas grave. Bon, des doigts, enfin des 5 doigts à chaque main, c'est un petit peu étrange, enfin 4 techniquement, oui le pouce n'est pas un doigt. Mais voilà, donc une armure très sympathique, pas de trou dans le dos pour les élites pour pouvoir y mettre des armes. Et vous le voyez, on était très loin du système d'articulation qu'on a maintenant. On était très loin des armures détachables, des casques, tout était en un seul morceau. Si on pouvait enlever la tête, mais ça l'enlevait juste comme ça. Pas de casque. Mais encore, c'est venu beaucoup plus tardivement hein, pour tout ce qui est élites, marines. Encore pire pour les grognards et les brutes. Voilà. En tout cas, donc voilà, un design très sympa, on a même des petites veines ici, c'était pas mal. Voilà, maintenant on a beaucoup plus de détails, les figurines sont d'une qualité incroyable, et pourtant ça à l'époque c'était vraiment pas mal. C'est des petits jouets qui maintenant sont presque, c'est con à dire, mais sont presque rétro maintenant. Et avec ça, on a une
Donc on avait aussi l'épée énergie de l'élite, je ne vous l'ai pas montré. Voilà, donc l'épée style Halo CE, Halo 2, peut-être Halo Wars, très ronde, avec un effet un petit peu, vous voyez, d'énergie un petit peu granuleux. Vous devez la connaître, cette épée énergie, si vous avez quelques mégablocks, vous l'avez forcément déjà vu. Mais qui est très sympa, mais que je n'utilise pas parce que l'élite a lui aussi son propre véhicule, et l'épée, bah, quand un élite ne l'a pas dans la main, c'est juste une petite poignée sur la cuisse, mais on peut pas mettre ça. Et voilà, le véhicule Covenant, c'est donc un canon, une tourelle Shade, je sais pas comment on dit. Alors, ça ne correspond à pas vraiment de modèle qu'on peut voir dans les jeux. Alors, je ne sais pas si dans Halo Wars... Étant donné que ça a l'air vraiment d'être basé sur Halo Wars, je ne sais pas si c'est un modèle qui vient de Halo Wars. Par contre, moi, ça me fait penser à un modèle. Donc, l'élite s'assoit ici, il prend le contrôle de la tourelle. Mais on a vraiment un gros siège à l'arrière. On a deux boucliers ici et un seul gros canon. Mais ça me fait penser, et je pense que vous l'aurez vous aussi deviné, ça me fait penser au modèle de tourelle Shade qu'on a finalement dans Halo 2, à savoir avec une base, mais qui n'est pas aussi grosse. De l'énergie pour faire léviter la tourelle. On a un bouclier, mais qui normalement est vraiment sur tout le pourtour du canon et pas juste sur les côtés. Et on a deux canons comme ça qui sont plus petits, mais les canons avec une similarité, c'est ce crochet en dessous et le fait que l'opérateur soit assis sur une sorte de siège, sur un prolongement finalement de la tourelle. Donc ça fait énormément, ça se rapproche énormément, et je pense que c'est fait pour ça, du modèle de Halo 2. Alors j'ai plus le modèle en tête, mais voilà, c'est ce que ça m'évoque le plus. Sinon, d'où ça pourrait bien provenir? Certainement pas de Halo 3 ou de Halo Reach, étant donné que les modèles de tourelle Shade, ce sont ceux qui ont l'espèce de grosse armature au-dessus, celle qu'on voit également dans Halo 5 et Halo Infinite, sauf qu'elles ont un bouclier. Voilà. Voilà, un petit truc à la Halo 2 qui, en bon fan d'Halo 2, me fait extrêmement plaisir. Ça a été aussi un choix déterminant finalement pour mon premier set Mega Constructs de toute ma collection en fait. C'était à l'époque, hein. Mais voilà, j'ai vu ça. Sachez également que je ne l'ai pas eu sur Amazon et tout, hein, parce qu'à l'époque j'avais pas encore internet, sinon vous m'auriez connu plus tôt. Ça, je l'ai trouvé dans le King Jouet à côté de chez moi. C'était à l'époque. À l'époque, béni, on pouvait encore trouver des Mega Blocks dans les magasins de jouets. Voilà, donc un set bien sympa, et j'ai eu la chance de tomber sur ce truc. Je me suis dit, ah, mais c'est la tourelle d'Halo 2, ça qu'on voit dans Halo Delta notamment, et dans bien d'autres niveaux aussi de Halo 2. Je me suis dit, bon bah allez, puis c'est toujours sympa. Faut savoir qu'avant d'avoir des Mega Blocks Halo, j'avais eu quelques Lego Star Wars que maintenant j'ai relégué au placard. Peut-être qu'un jour je les ressortirai ou je les vendrai, je sais pas. Bon, je les ai pas traités avec le plus grand soin, ils sont en vrac dans des bacs. Je suis désolé pour les fans de Star Wars qui vont écouter ça, mais bon, maintenant voilà, je me suis converti à Halo en termes de collection, et maintenant ben voilà, je n'ai plus que des Mega Blocks Halo, et évidemment d'autres goodies Halo en dehors de Mega Blocks, Mega Constructs et tout, notamment du McFarlane, du Jazzware, un petit peu de Jada Toys aussi, notamment Warthog, que je vous présenterai un de ces quatre forcément. Mais donc voilà. Bon bah voilà, c'était pour cette petite présentation qui, je le rappelle, est la première pièce de ma collection, qui maintenant compte beaucoup, enfin plusieurs dizaines d'éléments que je vais vous présenter, comme vous le savez, au fil de ces vidéos. Je sais pas quand est-ce que je vous aurai tout proposé, il y a encore beaucoup de choses à faire, et pour l'instant on n'en est que au Mega Blocks, parce qu'il y a forcément d'autres choses. Le but, je le rappelle, c'est de faire une review de chaque élément que je possède. Il y aura peut-être des exceptions comme par exemple les jeux en format physique, ou encore les posters, qui sont des trucs bien plus situationnels, mais en termes de pièces vraiment comme ça qu'on peut mettre sur une étagère. Je vais essayer de faire comme d'habitude, hein, une petite review par semaine de chaque pièce. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos impressions sur ce set en commentaire. N'hésitez pas également, d'ailleurs ça me fait un peu penser à un canon anti-aérien comme ça, c'est rigolo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit, et si vous découvrez ma chaîne, et si Halo est une licence qui vous intéresse peut-être. Et n'hésitez pas à aller voir les autres liens en description, notamment mon DeviantArt, qui est là où je poste tous mes dessins. Je ne fais pas que de la vidéo, je le rappelle. On se retrouve normalement ce soir sur Twitch pour un live multi sur Halo Infinite. Je dis bien peut-être, parce que je vais avoir quelque chose à faire avant.
et je ne sais pas si j'aurai le temps ou sinon je serai en retard. Je vous tiens de toute façon au courant dans l'onglet communauté de ma chaîne et aussi sur les réseaux sociaux, là où également je vous invite à me suivre. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine review, un prochain let's play. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous !